Madame Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches En quelques mots, le complexe hôtelier la cache du domaine de Tedford, rencontrant des succès intéressants depuis son ouverture en juillet 2016, ajoutera 32 unités de chambres à son inventaire de 56 actuels. Cet agrandissement permettra en plus de relier le noah spa de telfermanz directement à l'hôtel, offrant ainsi aux clients un accès direct à l'expérience unique de noah spa. le directeur général de la cache du domaine, m. louis-marc nadeau, a précisé que la cache du domaine n'avait d'autre option que de procéder à cette expansion afin de mieux servir sa clientèle de congrès et de répondre à la croissance continuelle de sa clientèle. Une fois cet agrandissement complété en septembre 2018, le complexe comptera 88 unités d'hébergement haut de gamme dans le décor naturel exceptionnel du domaine Option Nature. Cet ajout viendra également combler la demande croissante d'hébergement dans la région en vue de l'ouverture du centre de congrès de Thetford -Mains. Le complexe hôtelier, la cache du domaine, en plus de ses unités d'hébergement, offre des services de restauration avec le Steakhouse Le Grec et le Resto Bar Le Wake. On y trouve également quatre salles de réunion, en plus des multiples services nautiques sur l'un des plus beaux bassins urbains, de l'Est du Canada. L'ajout du Centre de congrès de Tetford Mines viendra augmenter sa capacité d'accueil de plus de 600 personnes, dont sept salles de réunion supplémentaires. La cache du domaine est membre du réseau C-Hotels, qui, en constante expansion, compte déjà cinq établissements au Québec. Dans une lettre pour le moins percutante, adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. guétan Barrette, le maire de Tetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, réclame rien de moins que le congédiement de l'actuel directeur de santé publique, chaudière le Dr. Philippe Lessard. Soulignant que les différentes interventions du directeur de santé publique au cours des dernières années avait démontré un biais effroyable et une incompétence marquante, il y va de ce qui lui semble, dans les circonstances, la seule chose censée à faire. Par ses interventions, déclare le maire, il cause un dommage gigantesque à notre communauté et fait en sorte que nous n'ayons plus aucune confiance en son jugement. Si on le laisse aller, votre gouvernement devra fermer notre ville nous indemniser et nous relocaliser sinon faites la chose la plus sensée congédiez-le et demandez à votre monde de recommencer à réfléchir avant d'imposer des exigences qui n'ont aucun bon sens d'entrée de jeu le maire brousseau a fait remarquer au ministre barrette que l'âge médian à Thetford Mines était de 52,4 ans à, en 2016, comparativement à 42,5 ans au Québec pour la même période. Il ajoute également qu'à cette époque, Tetford comptait alors 10 centaires. Le maire de Tetford a également tenu à préciser que le chrysotile est, est traité de façon tout à fait distincte des autres cancérogènes en appliquant une tolérance zéro totalement illusoire et irréaliste dans un milieu comme le nôtre. Le maire ajoute que depuis quelques années, une folie furieuse s'est emparée de nombreux fonctionnaires provinciaux quant à la présence d'amiante dans nos résidus miniers. Et tous se retournent vers notre tortionnaire pour prendre avis, celui qui occupe la charge de directeur de santé publique Chaudière-Appalaches. Comme un dictateur, poursuit le maire Brousseau, il a évacué toute logique et tout bon sens et livre une guerre ouverte à notre région tout en entraînant dans son sillon la CNESST et le ministère du Développement durable, de l'environnement et des changements climatiques décrire le maire Brousseau avant de poursuivre. Pourtant, en parallèle, une armée de scientifiques du gouvernement fédéral ouvre la porte à la manipulation des résidus miniers malgré un contexte d'interdiction de l'amiante. À l'image de la population tupferdoise, le maire Brousseau s'est dit exaspéré. Nous n'en pouvons plus de voir des travailleurs en scaphandre dans nos rues, de payer 30 plus cher. Pour nos travaux de voirie et de voir nos projets économiques et résidentiels bloqués. Et le maire de manier l'ironie face au fait que le musée minéralogique et minier de Thetford Mines a été invité à suspendre ses visites minières. Après avoir reçu plusieurs signalements, autant de la part des employés, des travaux publics que des citoyens eux-mêmes relativement au non-respect des règlements municipaux sur la disposition de la neige, le service de police de la Ville de Thetford a procédé à une surveillance spéciale des activités des déneigeurs et des citoyens qui déblaient leur entrée. Au cours de l'avant-midi du mercredi 14 mars dernier, Cinq personnes ont reçu un constat d'infraction allant de 38 à 63 dollars. Vous aurez deviné que l'infraction la plus fréquente était celle d'avoir déposé de la neige sur la voie publique. Dans un cas, un entrepreneur avait soufflé la neige sur le trottoir, et dans un autre, c'est le citoyen qui avait déneigé sa cour et avait placé la neige sur le remblai. L'article 117 du règlement municipal, numéro 1300, stipule qu'il est interdit de déposer ou d'avoir permis que soit déposé de la neige ou de la glace sur la voie publique ou sur un chemin public, de façon à nuire à la visibilité des automobilistes ou à la libre circulation des véhicules et des piétons. Le service de police de Thetford, par le biais de son responsable des affaires publiques et relations communautaires, le sergent Yves Simoneau, a fait remarquer que d'autres surveillances spécifiques auront lieu encore jusqu'à la fin de l'hiver, qui, soit dit en passant, s'éternise. Le service de police, Encourage les propriétaires d'immeubles à engager une bonne discussion avec leur entrepreneur en déneigement afin de faire le travail selon les règles en vigueur. De toute évidence, la société des alcools du Québec à Thetford souhaite changer de location. En effet, dans un appel d'offres sur le site du service électronique d'appel d'offres du gouvernement, connu sous le sigle SEAO, la SAC de Teffernmans serait à la recherche d'un local qui serait situé sur la route 112, soit le boulevard Frontac, entre le boulevard Ouellette et la 9e rue. La superficie du local devra être environ de 4180 Pieds carrés. Le local devra avoir pignon sur rue sur un, nouveau, un niveau et être situé au rez-de-chaussée. La répartition de la superficie totale demandée devrait être de 67 pour l'aire de vente et de 33 pour l'aire d'entreposage et de service. Le local devrait disposer de 30 places de stationnement à l'usage exclusif de la SAC pour un stationnement privé ou de 25 places à l'usage exclusif de la SAC pour un stationnement en commun. Le local devrait être livré le 4 mars 2019 et le bail débuterait 45 jours suivant la date de remise des lieux à la locataire. Le document d'appel d'offres original devra être rempli et retourné sous enveloppe cachetée au plus tard, le 28 mars 2018, à 14 heures. Les états généraux 2018 concernant la valorisation des matières plastiques résiduelles au Québec seront présentés dans la région de Thetford. Particulièrement au centre de réception du Mont Granit à tetford Mines. Plusieurs intervenants directement concernés par la valorisation des matières plastiques résiduelles au Québec seront présents pour faire un état de la situation. Il sera alors possible d'en apprendre davantage sur les potentiels de valorisation des matières plastiques résiduelles et les programmes qui y sont accessibles. Plusieurs partenaires et sujets sont déjà confirmés. La programmation complète est également disponible. Les grands thèmes de la journée sont les suivants la fermeture du marché de la Chine, cause de la crise, ou lever du voile sur une crise sous-jacente. Quatre études de cas au Québec. Quelles sont les options qui s'offrent en termes de technologie, de nouvelles tendances et d'occasions à saisir? Et quelles sont les ressources financières disponibles? Les états généraux de la valorisation des matières plastiques résiduelles au Québec le 28 mars prochain au Centre de réception du Mont Granit à Thetford. Les représentants de la méga-production. De la troupe de théâtre les Cabotins sont à peine commencés que déjà 75% des billets sont vendus. Les Cabotins annoncent donc deux supplémentaires, soit le vendredi 20 et le samedi 21 avril à 20h. Force est d'admettre qu'il s'agit déjà d'un succès. En effet, les misérables, ce sont plus de 35 comédiens chanteurs âgés de 5 à 75 ans sur scène et plus d'une quinzaine d'artisans, tous bénévoles, qui n'ont pas compté leurs heures depuis le mois de septembre pour faire de cette comédie musicale une production grandiose. Et effectivement, il nous arrive à l'occasion... De ne pas trouver les mots justes pour décrire une personne, une situation ou un événement. Les mots intenses, euh, énergiques, impressionnants, émouvants nous viennent de l'idée euh, suite à l'avant-première de la pièce musicale Les Misérables qu'offrent présentement les Cabotins. À vrai dire, les quatre mots conviennent absolument à la prestation offerte par les 35 comédiens-chanteurs impliqués impressionnant par les moyens techniques déployés, notamment le plateau tournant qui nous permet de nous retrouver de part et d'autre des barricades. Les coups de feu, les éclairages, l'excitation des combattants, tout contribue à rendre le spectacle saisissant. Les comédiens et chanteurs ont également rendu admirablement l'intensité dramatique des textes et des situations. Ils l'ont fait avec énergie et Conviction. L'interprétation de pièces comme Le Grand Jour et À la volonté du peuple sont de nature à donner des frissons. Si le tableau chez les Thénardier est de nature à nous faire rire ou à tout le moins sourire, celui de la mort de Fantine et l'air de la misère qui revient comme un leitmotiv revêt un cachet, pour le moins émouvant. De plus. Qui aurait dit que l'inspecteur Javert allait nous émouvoir avec son interprétation de la pièce sous les étoiles D'ailleurs, nombreux sont ceux et celles qui ont dû se surprendre à fredonner au lendemain de la pièce les airs entendus tels la misère, Maître Thénardier, à la volonté du peuple et le grand jour. On pourrait parler longtemps de la bonté de Jean Valjean. De la cupidité des Thénardier, du courage de Fantine, de Gavroche, de Cosette, de Marius. Mais ce serait passé sous silence le jeu des Javert, Éponine, Monseigneur de Digne. Que dire des concepteurs et des constructeurs des décors, presque majestueux, des concepteurs des costumes et des accessoires? Le metteur en scène, Louis-Étienne Nadeau, a relevé le défi avec brio. Le travail de toute une équipe aura permis une réalisation exceptionnelle à la hauteur des 50 ans d'existence de la troupe de théâtre des Cabotins. C'est donc un rendez-vous à voir et à revoir au studio théâtre Paul Hébert les vendredis et samedis 16-17 qui sont déjà présentés, 20-21... 23 et 24 mars, de même que les 6, 7, 13 et 14 avril. À noter qu'il y aura également représentation en après-midi, 14 heures, dimanche, le 25 mars. C'est samedi, le 7 avril prochain, que se tiendra au centre-ville de Tetford Mines la deuxième édition de la cabane à sucre urbaine. L'activité présentée par Héritage Centre-Ville, en collaboration avec Biodélice, se déroulera encore une fois sur la rue Notre-Dame-Ouest dès 13h. Toute la population est invitée à venir se sucrer le bec au Centre-Ville. De nombreuses activités seront proposées aux familles pour l'occasion. Tire sur la neige Jeux Gonflables, spectacle de musique du populaire Anthony Roberge, qui a fait les auditions à l'aveugle de la voix, prestation de Pawn Fitness, présenté par V1 Fitness, et en clôture de journée, spectacle du talentueux Samuel Jacques. Avec une foule de plus de 1600 personnes lors de la première édition, nous voulions absolument reconduire l'activité cette année en y ajoutant des nouveautés. Tout le monde aime le temps des sucres, aime se rassembler entre amis et en famille, et c'est exactement ce qu'est notre centre-ville, un point de rassemblement et de destination pour ce, ce type d'activité. De mentionner Monsieur Yves Kirouac, président d'Héritage Centre-ville. Les restaurateurs du centre-ville sont aussi présents pour offrir de délicieuses bouchées et des plats gourmands dans lesquels le sirop d'érable sera à l'honneur. Encore une fois, il nous fait vraiment plaisir de participer à cet événement qui harmonise à la fois notre passion pour l'érable, notre région, les enfants, bref, notre sentiment d'appartenance à notre ville natale. Stedford est entouré de centaines d'érablières. La sériculture, qui est en pleine expansion, fait partie de notre réalité à tous. Cette industrie deviendra une identité et une fierté pour notre ville. D'ajouter M. Serge Dubois, copropriétaire de BioDélices. Vous retrouverez donc plusieurs nouveautés qui vous feront vivre l'ambiance d'une vraie cabane à sucre à une sortie par excellence pour toute la famille le 7 avril à compter de 13 heures. Pour plus d'informations concernant l'activité, veuillez communiquer avec M. Mathieu Desmarets au 88-332-59-58. Une première rencontre conjointe depuis les élections du 5 novembre dernier s'est tenue entre les conseils municipaux des municipalités d'Isbreton et de Sacré-Cœur de Jésus le 6 mars dernier. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur les différents partenariats entre les deux municipalités. Cette rencontre a d'abord été l'occasion pour les élus de faire connaissance entre eux et d'échanger sur les différents dossiers. Pour lesquels les deux municipalités ont des partenariats, de mentionner les maires d'Isbroton et de Sacré-Cœur de Jésus, Messieurs Kevin Mathieu et Guy Roy. Le canal de communication demeure ouvert, ont-ils mentionné, et d'autres rencontres sont à prévoir. Par ailleurs, ces derniers se sont entendus sur la mise sur pied d'un comité de travail intermunicipal. Relativement au service des loisirs et de la culture. Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines présentera le mardi 27 mars prochain, à compter de 19 h, une conférence historique au sujet des années 70 et 80, Thetford Mines en caricature. Vous êtes invités à aller découvrir l'actualité de la période de 1970 à 1980 de la ville de Tetford Mines par le biais de ses caricatures. Politique, société, personnalité connue, vous aurez l'occasion de revivre toute une époque grâce au conférencier-historien M. Patrick Hood. La conférence, d'une durée d'environ 1h30, se déroulera dans la salle des jardins du musée. Le tarif a été fixé à 5 pour les membres du musée et à 7 pour les non-membres. Veuillez noter que les places sont limitées et une réservation est nécessaire auprès de Mme Laurie Jacques, côté au 88 335 21 23, poste 223. Vous devez réserver donc pour y assister au Musée minéralogique et minier de thetford -Mence. La Société de développement économique de la région de Thetford, en collaboration avec le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, vient de compléter une étude de marché visant à mesurer les besoins des producteurs et des transformateurs agroalimentaires en termes d'espace et d'équipement de transformation. Le besoin est bien présent et au total, ce sont... 348 utilisateurs qui se sont dit prêts à utiliser les services d'un centre de transformation agroalimentaire dans la MRC des Appalaches, et ce, dès les premières années de la mise en opération. Globalement, les résultats ont démontré que les répondants ayant l'intention d'utilisation la, la plus élevée sont ceux en provenance de la MRC des Appalaches, de la MRC de la Chaudière-Appalaches, suivi des MRC du Centre-du-Québec et de l'Estrie. Parmi toutes les catégories de producteurs sondés, nous apprenons que ce sont les petits producteurs de fruits, de légumes et de viande de spécialité qui ont les, les intentions les plus marquées. Il a aussi été démontré que la disponibilité des équipements et des services offerts par le centre inciterait de nouveaux producteurs à se tourner vers la voie de la transformation afin de donner une valeur ajoutée à leurs produits. Les besoins relevés au cours de l'étude sont les suivants des espaces aménagés pour produire de grandes quantités, des équipements à usage commercial, et institutionnels, des espaces d'entreposage et de réfrigération et des services d'accompagnement pour la transformation de base et l'amélioration des produits existants. Un rayon de 50 km autour de la ville de Thetford avait été déterminé pour mener cette étude, ce rayon étant la distance maximale que les utilisateurs accepteraient de franchir. Pour avoir accès à un centre de transformation. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine et demeurez à l'écoute. Nos émissions se poursuivent.